Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes présents au Salon du Livre d'Ottawa. J'ai à côté de moi un éminent écrivain, un peintre, un confrère de la plume, Kalula Kalambe, qui vit à Gatineau. Donc on s'est retrouvés tous les deux aujourd'hui au Salon du Livre. Et c'est la première fois que nous nous rencontrons d'ailleurs physiquement. Comme auparavant, j'étais à Montréal. Que du plaisir, que des échanges, pour vous dire un peu l'histoire. Non, je préfère ne pas les dévoiler. Je vais donner la parole au docteur Kalula pour qu'il puisse se présenter, parce qu'il porte un brin du pays des Khamsin en lui. Docteur Kalumbay, je vous donne la parole. Merci, cher ami Rachid. C'est un plaisir d'être là autour... de tes livres et de partager un peu notre joie de nous retrouver, parce que la première fois qu'on s'est vu en réalité, on a toujours été ensemble sur la toile virtuelle. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux d'être là. En effet, j'ai eu la chance de visiter le Djibouti à deux reprises, en 2006 et en 2008. Et ça m'a toujours intrigué, inspiré en même temps. Et j'ai dû faire un texte. Au moment où je partais de Djibouti, je suis parti avec beaucoup de nostalgie. Ça ne vous a pas laissé indifférent quand même. Je suis avec beaucoup de nostalgie. Oui. À ce moment, alors je me suis dit, je vais partir avec moi un bout de Djibouti avec moi. Et la seule façon vous de le faire, toujours quand même, c'était hein? par écrit. Même maintenant que je te vois, ben oui, il est resté dans mon cœur parce que je rêvais toujours envoyer la mer Rouge. Je ne comprenais pas ce que c'est. Et quand je suis rentré là-bas, le lendemain matin, à l'hôtel, et je me mets devant l'étendue de l'océan, je regarde l'étendue du désert de l'autre côté, et ça a commencé comme ça à vibrer pendant toute la semaine qu'on a fait là. Wow. C'était incroyablement merveilleux. Pouvez-vous nous lire ce poème que vous avez écrit pour Djibouti? Sur le flanc de la mer Rouge, la légende tenace du rouge éclatant qui alimente l'esprit naïf du voyageur lointain s'échoue sur la rive de tes côtes ensablées dans un murmure continu et plaintif. Car pleurant à chaudes larmes, le sort de ton sable salé que tu cèdes chaque jour un peu plus aux nouvelles ambitions des Djibouti, l'expansionniste, fier de brandir au grand jour son sabre de conquérant nomade. Le bleu ciel qui fait ton éclat et ta fierté s'étend l'infini de l'horizon en gardant dans tes reins serrés les secrets séculaires et de cette origine mythique. Venu de nuit des temps au rythme désarticulé du vieux chameau du désert. Ce matin, perdu dans tes rêveries euphoriques, tu me laisses te quitter sans véritablement partager le secret de ta légende séculaire, jalousement enfouie dans les racines profondes des acacias ancestraux qui imbibent de sa sève amère et pourtant nourricière la pointe de la Corne d'Afrique. Où les quatre royales soustant à mettre des lieux les débats journaliers et infertiles de tes fils errants. Djibouti, le 1er décembre 2006. 2006, ouais. C'est vraiment... Quand même, vous avez parlé du 4, hein? Ah ben, écoutez, je n'ai pas pu avoir la chance d'être initié. Ah non. Mais j'ai vu les effets, le tout le monde pas. En parlait. Moi, je suis vraiment anti-4 et je ne vous le souhaite pas. Oui. Non, mais c'est un très beau poème. Merci. Oui, oui. Non, mais écoute, c'était... Oui. Alors, bien sûr, je suis revenu en 2008. Oui. J'ai écrit un autre poème, bien sûr, celui-là. Il ne parlait pas de Djibouti, mais il me parlait des larmes d'Afrique. Mais encore une fois, Djibouti m'avait inspiré. Et là, je parlais un peu de Brazzaville, où j'étais avec le siège de l'OMS. Encore une fois, pour vous dire, je souhaiterais y rentrer. Cette fois-ci, pour vraiment aller passer la nuit dans le désert. Ouais. Être vraiment en plein air, en plein ciel. S'imprégner de la réalité. Je suis parti avec beaucoup de nostalgie. C'est pour ça que j'ai dit, et j'étais heureux de te voir. Imaginez un peu ma situation, moi qui ai passé toute ma vie à Djibouti. Ah.
Oui. Ah, quelle nostalgie d'être ici. Mais oui, de ne pas voir la mer rouge. Exactement, le chameau et tout ça. Oui, tout ça. Ouais, tout ça aujourd'hui. Mais comme disait un de mes amis, cette nostalgie-là, elle nourrit un peu notre aspiration. Exactement. Elle nous porte. Heureusement d'ailleurs. Tout à l'heure, tu as parlé aussi de la peinture. Je fais de la peinture. Et ça, c'est mon dernier tableau. Il est un peu provocateur dans ce sens qu'il nous pousse. Alors, je suis allé dans le mauvais sens. Ouais. Il nous pousse à la réflexion. Il y a un petit texte derrière qui dit « Issu des profondeurs, des entrailles, des territoires autochtones dont cédé, l'univers canadien, dans sa diversité, ne peut célébrer sa multiculturalité que dans le respect et l'harmonie des peuples en présence. » Pourquoi je dis ça? Parce que toi, tu célèbres la multiculturalité. Oui, effectivement. Sinon, l'univers canadien, la diversité, c'est-à-dire tu es djiboutien, je suis congolais d'origine, l'autre est haïtien, burkinabé, allemand, français, canadien, québécois. Ouais. Ça, c'est la diversité. Exact. Mais pour que ça ait un sens, il faut ça. C'est à ce moment-là, seulement quand on partage notre culture de manière permanente que nous célébrons la multiculturalité. Voilà un peu la dynamique, non seulement de ces tableaux, mais pour célébrer et apprécier ta présence. Quand j'ai dit que je suis vraiment respectueux de ce que tu fais, c'est parce que tu fais partie de ceux qui nous permettent véritablement de célébrer la multiculturalité. Ceux qui apportent l'Afrique dans sa dimension positive, c'est-à-dire notre richesse, pour que les autres s'en inspirent et ne puissent pas nous regarder seulement avec l'œil froid de l'immigrant qui vient sauver sa vie ici, mais qu'il puisse savoir que dans chaque grain de l'Africain qui est ici, il y a une richesse éclatante. Tout à fait. Et que ceux qui, comme toi, la partagent, eh bien, ceux-là sont des vrais militants de la multiculturalité et c'est pour ça que je les célèbre avec ce tableau. Nous le serons tous et nous allons œuvrer pour que surtout l'Afrique ait toute sa place ici. On doit la donner. Et que notre contribution soit vraiment reconnue. Exact. Ouais. Je l'espère bien. Ouais. On va s'investir. On doit s'investir, on est déjà là, mais on est sur la bonne voie. Ouais. Merci. Mmh.